Passez d'entrepreneur à société, votre premier recrutement. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une stratégie issue de l'excellent livre Top Grading de Brad et Geoff Smart. Il s'agit en fait d'une stratégie qui peut vous aider si vous êtes aujourd'hui auto-entrepreneur ou entrepreneur individuel et que vous souhaitez passer au statut de société afin de pouvoir embaucher vos premiers salariés, pouvoir étendre l'activité et pouvoir éventuellement diminuer votre charge de travail. L'erreur que commettent beaucoup d'entrepreneurs à leur début, c'est de vouloir lancer une activité en restant le plus petit possible, le plus longtemps possible. Évidemment, cette stratégie ne marche pas pour deux raisons. La première raison, c'est que si vous accomplissez votre souhait de rester le plus petit possible, le plus longtemps possible, c'est-à-dire ne jamais avoir d'employé, rester en dessous du plafond qui, à l'heure où je parle, est d'environ 30 000 euros pour les auto-entrepreneurs qui vendent des services, 80 000 euros pour ceux qui vendent des produits. Si vous faites exprès de rester en dessous des plafonds en se disant « c'est pour que ma vie reste la plus simple possible », eh bien, vous freinez votre activité au point où vous risquez après de passer en marche arrière. Et c'est le deuxième inconvénient. Le premier inconvénient, c'est vous limitez ce que vous pouvez gagner, vous limitez aussi votre liberté financière, vous limitez aussi votre liberté de temps parce que vous êtes forcé d'être tout seul. Et en plus, vous risquez de passer en marche arrière parce que à force de freiner, eh bien, au bout d'un moment, si vous avez un boîtier automatique dans votre entreprise, vous finissez par baisser votre chiffre d'affaires et risquez de couler. Beaucoup d'auto-entreprises se terminent, prennent fin, non pas parce que l'auto-entrepreneur est passé en société et a fermé son auto-entreprise, mais simplement parce que l'auto-entrepreneur a fini par lâcher l'affaire parce qu'il en a marre de travailler autant pour gagner aussi peu. Donc, comment faire pour éviter ce sort? Eh bien, pour éviter ce sort, il faut faire votre premier recrutement en ayant une stratégie. La plupart des entrepreneurs que je connais qui sont passés de solo à première embauche ont fait la même erreur que moi. Mon premier employé, c'était simplement un ami, un ancien client devenu un ami qui était un beau parleur et que j'ai embauché parce que je me disais, mais voilà, il faut que je diminue ma charge de travail et donc il me faudrait une personne providentielle qui ait des compétences en communication, en marketing, en gestion de projet, en réflexion stratégique, en finance de l'entreprise. Bref, quelqu'un qui soit capable de tout faire en fait. Il me faut l'homme à tout faire, qui soit capable de tout faire, mieux que moi je ne fais moi-même, et qui soit super dispo et super efficace. Eh bien, quand vous vous lancez avec une description de poste aussi vague et aussi idyllique de votre première recrue, ce que vous allez inexorablement obtenir, c'est un beau parleur. C'est-à-dire quelqu'un qui va débarquer et vous promettre monts et merveilles, vous dire oui, c'est exactement ça, je suis expert là-dedans, oui, et si je ne sais pas faire, ben, je vais me former, il n'y a pas de souci, je peux tout faire, ouais, carrément, non mais oui. Qui va vous donner un faux CV, s'il vous donne un CV, et vous allez vous retrouver à payer quelqu'un, comme ça a été mon cas, qui ne fait rien. C'est ce qui est également arrivé à certains de mes clients, notamment j'ai un client qui était basé à La Réunion, qui avait un magazine, et Yvan, c'est son nom, et Yvan avait un magazine qui se développait très très bien, qui marchait très très bien, mais il a commencé à avoir le rêve de développer d'autres activités à côté, donc il s'est dit je vais embaucher quelqu'un qui va s'occuper de tout ce que moi je faisais dans cette entreprise, et pendant ce temps moi je pourrais développer les nouveaux projets. Eh bien, un an plus tard, il a dû fermer boutique sur cette activité parce que, en fait, ça ne marche pas. Ce que vous devez avoir si vous voulez faire cette transition d'auto-entrepreneur à société avec des personnes qui vont vous aider, c'est une stratégie qui est développée dans deux livres. Elle est développée dans un livre qui s'appelle Top Grading, que j'ai déjà chroniqué, qui fait 600 pages, et aussi dans cette version qui fait 56 pages. En fait, pourquoi est-ce que j'ai celle-là aujourd'hui? C'est parce que dans un livre de 56 pages, il y a tout ce qui se trouve dans un livre de 600 pages. J'ai jamais vraiment compris pourquoi je me suis forcé à lire les 600 pages. Et donc, dans ce livre, en fait, Brad et Geoff Smart, malheureusement, le livre en anglais, explique une stratégie qui s'appelle Top Grading. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, c'est beaucoup plus important d'avoir la bonne personne que d'avoir une personne. Je répète. C'est plus important d'avoir la bonne personne que d'avoir une personne. Si aujourd'hui vous êtes submergé, vous dites « il me faut absolument quelqu'un pour m'aider maintenant », même
il me faut quelqu'un la semaine dernière. Je suis en retard sur des livraisons clients. Je suis en retard sur des devis qui sont signés, mais je n'arrive pas à livrer le service. Je suis en retard sur la préparation d'un stand parce que mon activité, on est sur des foires ou des conférences, par exemple, on a un stand. Et que vous vous dites, il me faut absolument quelqu'un pour m'aider maintenant. Il me fallait cette personne hier, donc il faut absolument que je recrute quelqu'un vraiment super vite. Eh bien, vous êtes en train de garantir l'échec à court terme et à long terme parce que vous allez embaucher juste une personne. Et en général, quand on embauche juste une personne, ce n'est pas la bonne. Parce que vous allez avoir quelqu'un qui ne correspond pas aux besoins de votre entreprise en termes de compétences techniques, c'est-à-dire la compétence pour faire le métier. Vous allez avoir quelqu'un qui ne correspond pas à l'entreprise en termes de culture. Et vous allez avoir quelqu'un qui ne correspond pas à l'entreprise en termes de comportement. Ce sont les trois axes sur lesquels vous devez vous assurer de recruter la bonne personne. Et donc, ce que recommande la méthode Top Grading, c'est de se dire « Ok, je vais faire une description aussi précise que possible du poste, donc la fonction que je veux que cette personne occupe et non pas être un poste multi-poste qui fait tout. Donc premièrement, une description possible, précise du poste. À partir de ça, je vais décrire de la façon la plus précise possible la personne. C'est-à-dire, pour un poste comme une assistante administrative, quelqu'un qui va vous aider à faire les déclarations à l'État, la compta, le suivi client, etc. Il faut une personne qui ait une énorme attention aux détails. Donc, à partir de la description du poste, vous allez vous rendre compte, mais en fait, j'ai besoin de quelqu'un qui ne va pas se gourer de plusieurs milliers d'euros sur mes déclarations de TVA, parce que ça va me coûter une fortune. Donc, il faut quelqu'un qui soit précis. J'ai besoin de quelqu'un qui va s'occuper de l'interaction avec nos partenaires, les intervenants sur notre séminaire. Il faut quelqu'un de précis. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez vous retrouver, ça m'est arrivé, avec quelqu'un qui fait une erreur de... c'était une erreur de 600 000 euros sur un bilan comptable. Ça peut représenter quelques coûts de faire une erreur de 600 000 euros, croyez-moi. Vous allez vous retrouver avec une personne qui fait, s'il n'a pas l'attention aux détails, qui donne la mauvaise adresse aux intervenants qui sont censés intervenir sur un séminaire. Donc du coup, vous avez tous les participants viennent à une adresse et sont là, et l'intervenant est à l'autre bout de Paris. Ça peut être un problème. Donc, hyper important, premièrement, définir le poste et non pas choisir d'avoir quelqu'un qui pourra tout faire. Ne recrutez jamais un ou une homme à tout faire. Recrutez quelqu'un de spécialiste. Dans quel type de poste? Je recommande de commencer par des postes qui ont des fonctions qui vont vous permettre de générer plus de chiffres d'affaires. Donc, soit vous recrutez directement une personne pour faire du commercial et dans ce cas-là, vous la payez à la commission. Soit vous recrutez quelqu'un qui va vous décharger de toute la partie administrative et vous, ce temps que vous libérez, vous l'utilisez exclusivement à générer plus de ventes pour payer ce salaire en plus et pour développer l'entreprise pour ensuite pouvoir recruter quelqu'un qui fera du commercial, d'accord? Ne recrutez surtout pas quelqu'un qui va faire la stratégie de votre entreprise parce que ça, c'est censé être votre job. Et ça, c'est l'erreur que commettent beaucoup de gens, c'est d'essayer de se remplacer directement dans le rôle le plus important. Ça ne marche pas, sinon cette personne aurait déjà la même boîte que vous et serait déjà en train de la gérer de son côté. Donc, premièrement, je recrute un poste spécialisé. Deuxièmement, je décris à partir de cette description de poste la personne. Une fois que j'ai décrit la personne qu'il me faut, eh bien, je fais des entretiens d'embauche qui visent à filtrer pour recruter uniquement la bonne personne. Je ne fais pas une recherche Google en cherchant questions d'entretien d'embauche et en espérant à partir de questions comme si vous étiez seul sur une île déserte, quel livre est-ce que vous emmèneriez avec vous? Des questions bidons du genre si vous vous retrouviez sans connexion internet et que vous deviez faire etc. Non. Ce qui ne marche pas en interview, ce sont les questions théoriques. Malheureusement, c'est comme ça que se passe la plupart des entretiens d'embauche. On vous pose des questions bidons en vous faisant imaginer des situations bidons. Vous inventez la réponse qui correspond le mieux à ce que vous pensez que le recruteur veut. À la fin, comme le recruteur ne sait pas du tout comment interpréter vos réponses, il dit « Ok, ça m'a l'air bien », il vous recrute. Et après, vous n'êtes pas la bonne personne pour le job en tant que salarié. Vous n'êtes pas content dans votre job en tant que salarié. L'entrepreneur n'est pas content de votre travail. Ça se passe mal et ça finit dans les larmes et au prud'homme. Si vous, en tant qu'employeur, vous voulez éviter ça, vous devez poser uniquement des questions comportementales.
Et c'est sur ça énormément qu'on repose la méthode Top Grading, c'est en fait poser des questions sur le passé des gens et non pas sur des situations imaginaires. De dire, ben, décrivez-moi une situation où vous étiez en contact avec un client mécontent, que s'est-il passé et qu'avez-vous fait ? Ça, c'est une question comportementale. Vous vous basez sur le comportement que cette personne a eu dans le passé. Et en fait, ce qui se passe quand vous faites ça, eh bien, vous allez découvrir deux choses. Premièrement, certaines personnes n'ont jamais eu les expériences que vous décrivez. Vous n'allez pas embaucher ces personnes. Parce que si elles n'ont jamais eu l'expérience du contact avec un client mécontent, ça veut dire soit qu'elles n'ont jamais été dans un poste au contact des clients. Donc, si vous voulez recruter cette personne pour un poste de contact client, vous ne la prenez pas. Vous prenez que des gens qui ont déjà fait leurs preuves. Donc, voilà. Si cette personne a déjà été au contact de clients, mais qu'elle n'est pas capable de vous donner un exemple de cas où elle était au contact avec un client mécontent, genre, ça s'est toujours bien passé, non, j'ai toujours eu un bon contact, non, mais c'est toujours nickel. Cette personne est en train de vous raconter des bobards, donc vous ne la recrutez pas. Ou alors, elle a eu une expérience littéralement de genre une demi-journée et on l'a virée pour une autre raison et donc elle n'a jamais eu à discuter avec un client mécontent, donc vous ne la recrutez pas. Et en fait, en posant des questions comportementales, vous allez tout de suite mieux comprendre les gens. Vous allez voir à quel moment est-ce qu'ils vous donnent des excuses. C'est peut-être la chose la plus importante qu'on doit repérer quand on recrute une première personne, c'est des excuses dans l'entretien d'embauche, dans les premières journées, dans les premières semaines, pendant que vous êtes encore pendant cette période d'essai légal où vous pouvez dire stop, on arrête les frais. Vous repérez les excuses. La personne dont vous avez besoin, c'est quelqu'un qui ne vous donne pas d'excuses, qui cherche toujours des solutions. Et enfin, dernière partie importante quand vous faites ce premier recrutement pour passer de entrepreneur solo à avoir une équipe, c'est d'utiliser les références, de demander des références. Je répète ce que j'ai dit de deux formes différentes, n'embauchez pas des personnes qui n'ont pas été testées pour la mission que vous demandez. Si vous embauchez des gens qui ont déjà derrière elles un pédigré dans le poste demandé, eh bien, ils auront forcément des références d'un ancien patron, d'un ancien collaborateur, d'un ancien associé qui peut montrer que leurs compétences, leur qualité de travail, leur attention aux détails. Si quelqu'un n'a pas de référence, eh bien, passez votre chemin. Vous êtes en fait dans la situation où c'est un moment charnière de passer de solo à première embauche. Si vous voulez être quelqu'un qui donne sa chance à des personnes et c'est vraiment important pour vous, c'est très bien. Faites-le quand vous avez une équipe de 10 personnes et que vous pouvez vous permettre de faire une embauche ratée sur la 11e embauche. Par contre, la première embauche, vous ne pouvez pas vous permettre de la rater. Dans mon cas, quand j'ai démarré mon activité, mon premier salarié qui n'a rien fait pendant 4 mois et qui a littéralement en 4 mois fait uniquement un document Word d'une page, que je n'ai jamais récupéré d'ailleurs parce qu'il n'était pas content Bon, il a été payé pendant 4 mois, il n'a rien fait. Il m'a coûté 17 000 euros au total, cette première embauche. Si vous n'êtes pas capable de sortir 17 000 euros en échange de rien, c'est que vous n'avez pas les reins assez solides pour faire une première embauche ratée. Donc, ce que je vous recommande, c'est de mettre toutes les chances de votre côté pour faire une bonne première embauche. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'embaucher quelqu'un qui a déjà fait ses preuves. Et donc, ça veut dire que vous devez faire preuve de patience. Ça prendra peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être un an avant de trouver la bonne personne. Mais il vaut mieux attendre d'avoir une personne où vous n'avez aucune arrière-pensée, vous êtes certain que cette personne, ça va être la bonne embauche, plutôt que d'embaucher juste parce qu'il vous faut quelqu'un la semaine prochaine. Si vous faites ça, vous allez garantir cette transition de passage de solo à avoir une équipe et vous allez pouvoir commencer à avoir quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance parce que cette personne a déjà fait ses preuves et donc vous libérer du temps et devenir un entrepreneur libre.